Donc on va commencer par, évidemment, comme d'habitude,
l'approbation du compte rendu de la séance précédente qui était le 17 juillet, je crois, si je me souviens bien. Le 17 juillet. Dans ce compte rendu, dans cette séance, on avait délibéré sur.
Donc, je propose à l'Assemblée que la commune se porte acquéreur de la parcelle cadastrée BK00136 d'une superficie de 393 mètres carrés et située rue Jean Jaurès, appartenant à Madame Marquet et correspondant parfaitement aux besoins de la commune. Donc, je dis que Madame Marquet a accepté la proposition qui lui est faite d'acheter le terrain avec le hangar qui se trouve dessus au prix de vente de 105 000 euros. Je propose à l'Assemblée que la commune se porte acquéreur de la parcelle BK00136 pour un montant de 105 000 euros, auquel il faudra ajouter des frais de géomètre, des frais de diagnostic et des frais d'enregistrement. Vu les différents codes des collectivités territoriales et de l'urbanisme, je propose donc de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires à cet achat. Et je vous précise aussi que les crédits sont bien inscrits au budget primitif de 2021 de la commune. Voilà, c'est exactement la même délibération que la dernière fois, ça, on a forcément corrigé l'erreur. Y a-t-il des questions ? Pas de questions, on passe au vote qui compte. 5, contre. Qui s'abstient ? Pas d'abstention, il reste pour. Je vous remercie. Le point suivant concerne, comme à chaque conseil, ou quasiment à chaque conseil, le compte rendu des décisions liées au marché public que j'ai signé. Donc, vous avez reçu la liste dans votre convocation, mais je vais quand même lire, puisqu'on est enregistré, comme à chaque conseil. Le premier lot concerne l'équipement de la nouvelle classe de l'école Picopère attribuée à main du temps pour un montant de 7 879,84 €, signé le 25 juin 2021. Ensuite, la mise en sécurité des jeux sur les aires de jeu de la commune. C'est un lot unique attribué à Loisirs Diffusion pour un montant de 5 430 €, signé le 30 juin 2021. L'entretien des toitures et des dispositifs anti-pigeons attribué à 4 ATP pour un montant de 21 092,35 €, signé le 6 juillet 2021. L'aménagement des installations sportives attribué à Eurosport pour un montant de 5 170 €. Donc là, ça concerne, pour une précision, ça concerne les changements des buts de foot et des poteaux de rugby et des bancs de touche au terrain Terra-Durmier, et les travaux sont pas encore effectués, vont être effectués à partir du mois d'octobre. Ensuite, les aménagements des installations sportives du terrain Durmier-Urbasport, donc là aussi, ça concerne la même chose, parce que j'ai fait la marguerite des deux. Le premier, c'était pour les buts de foot et de poteaux de rugby, et le second, c'est pour les bancs. Donc, pour un montant de 6 684 €, signé le 9 juillet 2021. Ensuite, le remplacement des menuiseries de l'école du Ramier, attribué à Soferto, pour un montant de 15 875,71 €. Donc, pour votre information, il s'agit du changement de toutes les menuiseries de la classe 5, à l'école maternelle du Ramier. Ces travaux n'ont pas pu être effectués pendant les vacances d'été, et normalement devrait l'être pendant les vacances de la Toussaint si la fabrication est terminée, puisque vous savez qu'en ce moment il y a beaucoup de difficultés pour les entreprises à se faire livrer des matériaux, surtout lorsqu'il s'agit de matériaux venant de produits pétroliers. Donc si on a la chance, et je l'espère, d'être que c'est menuiserie soit fabriquée, elles seront posées pendant les vacances de Toussaint. Ensuite, le marché de concert, l'étape du 14 juillet, ça avait été attribué à Sunset pour un montant de 9 541,67 €, signé le 9 juillet 21. L'acquisition de lave-linge et de sèche-linge pour l'école maternelle de Rami, attribué à Satanco pour un montant de 4 302,39 €, signé le 19 juillet. La
et la maintenance des illuminations extérieures appartenant à la commune s'est attribuée à LMS pour un montant maximum de 11 000 euros. Le lot 2, location et pose et maintenance des illuminations extérieures sur les ronds-points et la place de la mairie, attribué également à LMS pour un montant maximum de 7 000 euros. Le lot 3, location d'un vélum, pose et maintenance de décoration intérieure appartenant à la commune, puisqu'on met en plafond de la table de fête, si je me souviens bien, attribué à Ecofinial pour un montant maximum de 4 500 euros. Le lot 4, acquisition d'illumination, attribué à Oxyrep pour un montant de 8 000 euros maximum. Et le 6, location d'un carrousel, attribué à Ouvrard pour un montant maximum de 16 000 euros. Donc tous ces marchés ont été signés le 3 août 2020. Le marché suivant, et ça concerne la mise en place de revêtement de sol de bureau de la mairie, attribué à NetSol. Donc il y a 2 ou 3 bureaux dans lesquels les revêtements commencent à être bien usagés. Et qu'on n'arrive surtout plus à décaper parce qu'il n'y a plus la protection, mais du coup ça va se tâcher. Donc on change ces sols pour un montant de 6 116,76 €. Ça a été signé le 11 août 21. Ensuite, il a fallu acheter un four de 10 niveaux pour la restauration de l'école Piquepère. Ça a été attribué à JMJ Cuisine pour un montant de 6 950 €. Signé le 19 août. Le lot de marché gestion de l'école de musique municipale Jacques Roubin a été attribué à LEC pour un montant de 124 451,55 €, signé le 31 août. Ensuite, toujours pour l'EC, c'est le marché concernant les centres de loisirs, l'organisation, la coordination et la gestion des accueils de loisirs municipaux, attribué à l'EC, donc pour un montant de 663 571,43 €, signé le 2 septembre. Et enfin, le nettoyage et l'entretien des bâtiments scolaires attribué à Genet pour un montant de 67 212,57 €, signé le 2 septembre. Voilà, les marchés ont été signés depuis le dernier conseil municipal. Des questions, des remarques. La question, pas de remarques, c'était une information, donc pas de vote. Point suivant. Ça concerne le renouvellement du bail de location d'un bâtiment à la gendarmerie nationale. Donc je rappelle, en séance du 21-12-2018, le conseil municipal a délibéré pour fixer le montant du loyer du bail avec la gendarmerie provisoirement à 56 331,29 € à compter du 1er janvier 2019. En termes de l'estimation faite par l'avis du service des domaines pour le loyer en fonction de la valeur locative réelle des locaux, sans toutefois pouvoir excéder celui qui résulterait de l'actualisation du loyer initial en fonction de l'évolution de l'indice de la construction INSEE. Le nouveau loyer a été estimé par le service des domaines à 57 729 € annuels. Il convient donc de signer un avenant au bail initial fixant le nouveau montant du loyer à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de 9 ans. Les références cadastrales sont les suivantes. Section BGA 59, en espérant pas faire d'erreur, contenance 31A 10 Saint-Pierre, située 42 rue Jean Jaurès à Fenouilly. Donc je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer le bail pour ce montant de 57 729 € à compter du 1er janvier 2019. Ça veut dire qu'il ne paye pas le loyer depuis 2019. Hein. Donc, on continue à payer le loyer avec l'ancien montant qui avait été estimé. Et là, donc, il va y avoir forcément une régularisation, il va y avoir un rattrapage jusqu'à aujourd'hui hein, sur les loyers depuis le 1er janvier 2019. Voilà. Y a-t-il des questions, des remarques, pas de questions, pas de remarques, on passe à vote qui est contre, qui s'abstient, unanimité, je vous remercie. Alors, le point classique.
ça correspond à plusieurs dettes. Hein, c'est pas, il n'y a pas seulement une personne qui doit 263 euros. Alors, bon, je pourrais vous donner le détail, j'ai tout là, sachant que, évidemment, ça reste anonyme. Mais voilà, si on prend le premier exemple, hein, le 031042, c'est lequel finalement ? Exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 non payés. Ouais, c'est un cumul. Hein. Et donc, c'est étalé sur les années, vous l'avez indiqué hein, dans votre projet de délibération, sur les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. Donc à chaque fois, on retrouve souvent ces années-là parce que c'est au fur et à mesure que le trésorier arrive ou pas à être payé de ses dettes. Donc quand il a fait toutes ses enquêtes et qu'il n'y a plus pas de solution, il n'est pas en capacité de pouvoir recouvrer ses dettes, il nous demande de les admettre en mauvais. Donc voilà, ça c'est le travail vraiment essentiellement du trésorier. Hein. C'est pas... effectué par les services de l'administration. Voilà, donc je rappelle une délibération qui a été votée en séance du 7 juillet 2021 concernant les années sur l'envoi suite à une erreur matérielle de rédaction. Donc il convient de reprendre cette délibération. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. C'était que là aussi, dans la délibération, il y avait une erreur dans la virgule. C'était à la liste, la troisième liste en partant du bas. La virgule était mal placée. On était au lieu de 2055-59. La virgule était placée à 213-559. Donc, vous voyez, encore une fois, une erreur de frappe. Mais là, on va pas s'excuser, parce que les erreurs arrivent à tout le monde, mais cette fois-ci, c'est pas une erreur des services, mais c'est bien une erreur du trésorier. Ceci dit, voilà. Donc, le total de la mise en don par l'heure, la mission en valeur est de 4 907,42 €. Voilà, je vous demande de voter pour m'autoriser à signer toutes les pièces sur rapport. À cette liste, cette admission en valeur. A-t-il des questions ? Pas de questions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Alors, 5. Abstention. Le reste est pour. Merci. Alors, ensuite, le point suivant. Ça concerne une délibération sur la limitation de l'exonération de taxes foncières de 2 ans en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation. Alors ça, c'est une délibération qui avait été prise par le passé et qui avait été abandonnée et donc annulée par la municipalité précédente. Et on vous propose de la remettre à jour. Donc, j'expose les dispositions de l'article 1383 du Code général des impôts permettant au conseil municipal de limiter l'exonération de 200 de taxes foncières sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstruction et conversion de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation. Donc, la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts et dettes de l'État, prévu à l'article L320-1 et suivant du Code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R331-63 du même Code. Vu la délibération du 8 mars 2018 supprimant l'exonération de 2 ans de taxes foncières sur la propriété bâtie en faveur des constructions nouvelles pour tous les immeubles à usage d'habitation,
concerne tous les immeubles à usage d'habitation. Donc, charge à moi de notifier cette décision au service préfectoraux. Donc, évidemment, ça ne s'adresse pas à tout le monde, c'est-à-dire les conditions et les critères de ressources. Et, comme je l'ai dit, aussi suivant les prêts qui ont été attribués, si c'est des prêts aidés qui bénéficient déjà des avantages de l'État, ça ne rentre pas dans cette exonération. Voilà, je vous propose de passer au vote. Enfin, non, sur toutes les questions, les remarques. J'ai une question. Ça intègre des rénovations énergétiques. Oui. Ça les intègre. Oui. Merci. C'est tout ce qui est reconstruction, aménagement, tout ce qui est réhabilitation, si le bâtiment, ça intègre. Donc c'est sûr que vous avez compris, c'est sur une durée limitée, évidemment, c'est pas définitif, c'est juste une. Les deux premières années, ça permet aux gens, aux personnes qui n'ont pas trop de ressources, d'être aidés, qui rentrent pas dans les critères des prêts aidés de l'État et qui peuvent bénéficier de cette petite aide qu'on peut leur apporter dans les exonérations de taxes sociales sur les deux premières années. Voilà, qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, il s'agit d'une acquisition d'une parcelle cadastrée. Alors, en réalité, c'est une régularisation qui date depuis de très nombreuses années. Je vais vous lire la délibération, puis après je vous donnerai deux, trois petites infos là-dessus, si vous le souhaitez. Donc, je rappelle à l'Assemblée qu'un engagement avait été pris auprès de Mme Burset et Mme Faurie, afin que la commune se porte acquéreur des parcelles cadastrées BR0086 et BR0087 pour une superficie totale de 762 m². Ces deux parcelles sont situées à la jonction entre la route de la Confanceau et la rue des Jardins. Donc vous voyez à peu près où ça se situe. Il y a là où il y avait, c'est l'entrée de ville, là où il y avait l'ancienne fontaine. A été démonté. L'achat permettra de proposer un aménagement pour l'entrée de ville de la commune. Donc, Mesdames Burset et Faurie ont accepté la proposition qui leur a été faite d'acheter le terrain au prix de vente de 20 euros du mètre carré. Donc, je propose à l'Assemblée que la commune se porte acquéreur des parcelles BR0086 et BR0087. Pour un montant de 20 euros le mètre carré, pour une surface totale de 762 mètres carrés, auquel il faudra ajouter des frais d'enregistrement. Donc, je vous propose donc d'acquérir ces parcelles et de m'autoriser à signer les documents nécessaires à cet achat. Les crédits sont inscrits au budget de 2021 de la commune. Alors, juste une précision par rapport à ça, je sais que c'est une régularisation qui date depuis de très très nombreuses années. Puisque moi, ça fait quand même quelques temps que je suis sur la commune, j'avais toujours vu cette fontaine à l'entrée de la commune. Sauf qu'à l'époque, la mairie avait construit cette fontaine sur une propriété qui ne lui appartenait pas. Y compris une partie de la rue qui débouche d'ailleurs. Le bout de la rue appartient à Mme Faurie et à Mme Ponson. Donc ça traînait, j'avais jamais eu de suite de fait. En 2019, il y a eu une lettre d'intention de mon prédécesseur qui se proposait de me faire l'acquisition. À ce prix-là, je n'ai rien changé, j'ai repris exactement le courrier qui avait été adressé à ces personnes, à 20 euros le mètre carré. Les propriétaires étaient d'accord sur ce prix-là, donc moi j'ai souhaité régulariser. Et en même temps, c'était. Alors, je ne veux pas dire que c'était du donnant-donnant, parce qu'il n'y a pas de donnant-donnant, c'était chez eux. Mais ça permet aussi d'engager une négociation pour la suite, puisqu'on a, dans les années futures, un projet de piste cyclable tout
besoin de faire des acquisitions foncières sur ces, chez ces deux personnes. Et évidemment, quand je vais aborder ce sujet-là avec elle, c'était non, tout pendant qu'on n'a pas régularisé ce que vous nous devez depuis X années. Donc, voilà, on va régulariser, et comme ça, on va pouvoir partir sur de bonnes bases de négociation pour la suite. Voilà les raisons. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote qui est contre, qui s'abstient, unanimité, je vous remercie. Le point suivant concerne la participation à la mise en concurrence relative à l'obtention d'un contrat de groupe d'assurance statutaire à effet au 1er janvier 2022. Alors, en réalité, ce marché-là existait déjà, puisque c'était un groupe qui avait été fait par le CDG 31, pour plusieurs communes, pour faire baisser les coûts d'assurance. Ça concerne essentiellement les couvertures dans tous les domaines au niveau des agents. C'est pour ça que c'est le CDG 31, puisque vous savez que c'est le CDG 31 qui gère les agents titulaires de la fonction publique territoriale. Il se trouve que l'assureur souhaite résilier concertation avec le CDG 31, le contrat pour le 1er janvier 2021, alors qu'il courait jusqu'au janvier 2022. C'est-à-dire qu'il veut rompre ce contrat-là une année avant la fin. Donc il y a eu une concertation entre eux, c'est le CDG qui gère ça. Mais comme nous, on est adhérents du CDG et on est preneurs de ce partenariat d'assurance, il demande l'avis à toutes les communes. Donc je vais vous lire rapidement ce qui était indiqué dans la délibération. Je rappelle aux membres de l'Assemblée que depuis 1992, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne, CDG 31, a mis en place un service facultatif d'assurance des risques statutaires du personnel, comme le lui permet l'article 26 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. Dans ce cadre, les collectivités et établissements publics du département qui le demandent peuvent bénéficier de l'accès à des couvertures par assurance des risques statutaires obtenus dans le cadre d'un contrat groupe souscrit par le CDG 31, à des conditions recherchées comme attractives, taux et franchise, compte tenu de la mutualisation. La souscription par le CDG 31 s'effectue dans le cadre d'une procédure conforme à la réglementation en matière de passation des marchés publics. L'actuel contrat groupe d'assurance statutaire dont le titulaire est le groupement GRA Savoie AXA France Vie a été résilié au 31 décembre 2021 par ce dernier par anticipation. Le contrat avait vocation initialement à durer jusqu'au 31 décembre 2022. Pour le maintien du service, le CDG 31 doit donc engager une mise en concurrence pour l'obtention d'un nouveau contrat groupe à effet du 1er janvier 2022. Ce contrat groupe a vocation à être géré en capitalisation. Permettre d'une part la couverture des risques afférents aux agents titulaires et stagiaires dont le temps de travail est supérieur ou égal à 28 heures hebdomadaires. Régime, cotisation à la CNRACL. Sachant, juste une petite précision, pour votre information, que les agents qui sont en dessous de 28 heures ne sont pas à ce régime de cotisation, mais sont au régime IRCAMTEC. Donc, ça couvre les congés de maladie ordinaires, les congés de longue maladie et congés de longue durée, le temps partiel thérapeutique et invalidité temporaire ou définitive, les congés suite à un accident de service ou maladie professionnelle, les congés de maternité, de paternité ou d'adoption, le versement du capital décès, permettent d'autre part la couverture des risques afférents aux agents titulaires et stagiaires dont le temps de travail est inférieur à 28 heures hebdomadaires et les risques afférents aux agents non titulaires. Donc là, je vous disais tout à l'heure, je ne savais pas que c'était noté, enfin je ne me souvenais plus, régime de cotisation à l'IRCAMTEC. Donc congé de maladie ordinaire, congé de grave maladie, congé suite à un accident de service ou maladie professionnelle, congé de maternité, de paternité ou d'adoption,
Le CDG 31 propose donc aux collectivités établissements publics de les associer dans le cadre de cette procédure de mise en concurrence. Ceux-ci doivent délibérer pour demander à être associés à la consultation conformément à disposition du décret 86-552. La participation à la consultation n'engage pas la collectivité ou l'établissement public demandeur à adhérer au contrat. Au terme de la consultation et en fonction des résultats obtenus, taux, garantie et services obtenus, la structure concernée reste libre de confirmer ou pas son adhésion pour la couverture des risques en lien avec ses agents CNRACN et en lien avec les autres agents et CRATEC ou pour les deux réunis. C'est-à-dire que si le contrat ou le marché que choisit le CDG 31 ne nous satisfait pas au niveau de la couverture des agents, on n'est pas dans l'obligation d'y adhérer. Mais à ce moment-là, ce sera à nous de lancer un marché individuel pour pouvoir engager. Dans l'hypothèse d'une adhésion in fine, la collectivité sera alors dispensée de réaliser une mise en concurrence pour ce service et pourra bénéficier de la mutualisation des résultats des services de gestion du contrat et de l'expérience acquise par le CDG 31 depuis 1992, notamment dans le cadre des phases de traitement des sinistres. Pour information, les dépenses supportées par le CDG 31 pour la réalisation de cette mission supplémentaire à caractère facultatif sont couvertes par une contribution des structures qui adhèrent in fine au contrat groupe d'assurance statutaire à hauteur d'un pourcentage de 5% appliqué à la prime d'assurance acquittée par la structure, avec un minimum de perception de 25 euros par risque couvert, que ce soit CRATEC ou CNRACN. Donc je vous demande de m'autoriser à participer à la consultation donc de ce marché. Y a-t-il des questions ? Pas de questions, passe au vote qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous remercie. Point suivant, ça concerne un contrat d'apprentissage que notre commune veut signer par convention avec un jeune qui sera en alternance pour un diplôme de Master 2. Donc dans sa deuxième année de master. Donc vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code du travail, en particulier les articles L62-11-1 et suivants, les articles D62-11-1 et suivants, vu la loi 83-634 du 13 juillet 93, modifiée portant droit et obligation des fonctionnaires, vu la loi 84-53 du 26 janvier 84, portant disposition statutaire relative à la fonction publique territoriale, vu la loi numéro 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, vu l'ordonnance 20-387 du 1er avril 2020 portant mesure d'urgence en matière de formation professionnelle, vu le décret 2007-1998 du 30 décembre 2016, fixant la liste des collectivités territoriales autorisées à participer aux expérimentations prévues aux articles 76 et 77 de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Vu le décret 2020-786 du 26 juin 2020 relative aux modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre national de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des apprentis employeurs par les collectivités territoriales et les établissements publics, en relevant, vu l'avis du comité technique en date du 13 septembre 2021 portant sur les conditions générales d'accueil et de formation des apprentis, considérant que le contrat d'apprentissage est un contrat de droit privé par lequel l'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprenti ou de section d'apprentissage, l'apprenti s'oblige en retour en vue de sa formation à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat et à suivre cette formation. Considérant que l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolues d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration, que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un
considérant que la rémunération est versée à l'apprenti en tenant compte de son âge et de sa progression dans le ou les cycles de formation qu'il poursuit, considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui, considérant enfin qu'il revient à l'Assemblée délibérante de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d'apprentissage. Je propose au Conseil d'avoir recours à un contrat d'apprentissage dans le domaine de la transition écologique. Ce contrat permettra à la collectivité de mettre en place des projets relatifs à la diversification des espaces verts, à la salubrité et de développer un apprentissage autour des projets écologiques de la commune. Je propose un contrat d'alternance d'une année et dont la rémunération est fixée de manière réglementaire en fonction du niveau de diplôme et de l'âge de l'apprenti. Et donc, je vous demande de recourir au contrat d'apprentissage et de m'autoriser à exécuter toutes les démarches nécessaires au recrutement d'un apprenti conformément au tableau suivant. Donc, service d'accueil de l'apprenti environnement, fonction de l'apprenti chargé de l'environnement, diplôme ou titre préparé par l'apprenti master et la durée de la formation, 1 an. Je précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. J'autorise donc et je vous demande de m'autoriser à signer donc, les contrats d'apprentissage ainsi que les conventions conclues avec le centre de formation d'apprenti. Voilà, c'est un jeune en études à Toulouse qui est dans la filière transition écologique développement durable, qui a fait sa première année sur plutôt toujours dans le domaine de l'environnement, mais plutôt sur les risques technologiques, industriels, transport dangereux, et donc sa première année était axée là-dessus. Et là, maintenant, il veut faire sa deuxième année sur tout ce qui concerne le tri des déchets, le tri des déchets alimentaires, la mise en place de compostage, faire des propositions d'aménagement en matière d'urbanisme, en matière d'aménagement du territoire. En gros, c'est un peu plus volumineux que ça, mais il y a beaucoup de choses. Et donc, comme on est en train de travailler sur ces volets-là, au niveau de la restauration municipale, par rapport à l'alimentation et aux produits qui sont fournis par les serres, entre autres, pas seulement, on veut mettre en place ce qui existait par le passé de tri des déchets alimentaires, et refaire aussi un site de compostage qui sera sûrement pas le même que ce qui existait il y a 7 ou 8 ans. Mais c'est quand même une volonté, il faut qu'on définisse l'endroit. Et puis on a des projets d'aménagement sur la commune en matière d'espace vert que mène Sabine Fourvalier. Donc voilà. Il nous manquait. On n'était pas certain d'avoir besoin d'un agent qui a existé hein, par le passé, hein, puisqu'il y avait par le passé un chargé de mission de développement durable qui n'existe plus. Bon. Avant de se lancer sur ce genre de poste, on a eu l'opportunité de rencontrer ce jeune qui nous a semblé motivé et très intéressé. On va faire un test sur une année avec un master, et puis on verra ce que ça donnera. Alors le contrat est d'un an, on peut le réduire, puisque le contrat pourrait se terminer dès le passage de son examen terminal, donc ça veut dire mi-juillet à peu près, mais moi je souhaite le garder l'année complète, puisque le contrat permet d'avoir la chance de jeune pendant un an, donc il terminera, si on le prend au 1er octobre ou au 1er novembre, il terminera au 1er octobre ou au 1er novembre de l'année suivante. Voilà. On n'aura pas de souci de trop de risque d'absence, enfin j'espère en tout cas, puisqu'il s'agit de ce jeune que je ne connaissais pas du tout, habite Fenouillé. Comment ? Oui, j'ai vu qu'envoyer. Il a cherché dans plusieurs endroits, dans plusieurs collectifs.
dans sa première année de formation. Au risque majeur. Sa première année de formation, c'était sur les risques majeurs. D'accord. Voilà. Tout ce qui concerne, nous, on est quand même, la commune est quand même pas mal impactée hein, par tous ces risques-là. Un peu moins depuis qu'on a plus les sites Céveso, mais on a quand même toujours les transports dangereux sur la nuit 120. Et puis, on a les risques météo aussi. Hein. Donc, il était vraiment, il avait fait sa première année là-dessus. Et nous, ça nous a intéressé aussi, enfin, moi en tout cas, parce qu'on a aussi à remettre au bout du jour le plan communal de sauvegarde. Et ça, donc, ça fait partie de ses compétences qu'il a acquises pendant sa première année de formation. J'ai fait le plan communal d'inondation. Plan de prévention des risques d'inondation, ça c'est un plan, un règlement défini par l'État, mais en plus de ça, on doit mettre en place un plan communal de sauvegarde. Non, mais moi je vous parle de ce que j'ai fait. Ah d'accord, ok. En risque majeur. Ah, oui, en risque majeur, oui. Voilà. Donc, on peut passer au vote. J'ai une petite question. Monsieur Geoffrey. La rémunération, vous pouvez nous la préciser? Alors, c'est 4, maximum 80% du SMIC. D'accord. Okay. Mais, pour qu'on évalue exactement, il faut qu'on le regarde précisément par rapport justement au niveau d'études. Bon, normalement, ce sera 80% parce que le Master 2, le Master, c'est le niveau d'études. Pas le plus haut, mais déjà un niveau qui permet d'être à 80% du SMIC. Si c'était un bac pro ou un BTS, ça serait en dessous. Et ça dépend aussi de l'âge. De l'âge. Là, c'est un jeune qui doit avoir 24 ans, hein, c'est ça 24 ans. Voilà, il fait partie des stagiaires qui peuvent être rémunérés au. C'est encore moins malheureusement, mais c'est maximum 50, je crois, pour les services, ou je ne sais même pas. Donc voilà, ça dépend à la fois de l'âge et du niveau des deux. Alors, donc on peut passer au vote, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, je le remercie pour ce jeune. Ensuite, une délibération que l'on régulièrement également. C'est la modification du tableau des effectifs. Donc vous avez eu dans la délibération, je ne vais pas reprendre tout le tableau, mais c'est simplement donc pour mettre à jour ce tableau-là, puisqu'on a un recrutement à faire au niveau d'un poste d'ingénieur. Le poste qui existe dans la commune, c'est le poste d'ingénieur principal. Mais on n'est pas sûr, finalement, d'avoir besoin de quelqu'un au niveau d'ingénieur principal. Donc on va ouvrir la candidature sur deux niveaux, ingénieur principal et simple ingénieur. Et suivant les candidats, si on recrute un ingénieur, on supprimera le poste d'ingénieur principal. Et si on recrute un ingénieur principal, on supprimera également le poste d'ingénieur. Ça dépend du recrutement et des candidats qui vont postuler. Donc le tableau, vous l'aviez en pièce jointe, hein, si je ne me trompe. Donc on passe au vote.
Je m'abstiens. Une abstention. Il me reste pour. Je vous remercie. Le point suivant, et je crois qu'on arrive à la fin, c'est la convention de partenariat avec Lille Métropole pour l'éducation aux médias et à l'information. Et là, je vais prendre mon souffle, je vais donner la parole à Madame Sylvie Fourcault. Un projet donc, visant l'éducation aux médias et à l'information en direction des jeunes de la commune, notamment des jeunes du pôle jeunesse, donc un groupe de jeunes de 11 ou 12 ans. Donc je vais vous lire la déclaration. Donc Toulouse Métropole et la commune de Fenouillet souhaitent engager une action partenariale dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information par le biais d'une convention. La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat établi entre Toulouse Métropole et la commune de Fenouillet pour une action d'éducation médiale et à l'information. Cette action s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action d'éducation aux médias et à l'information proposé aux communes membres de Toulouse Métropole autour de la presse et du dessin de presse, de YouTube, des vidéos scientifiques et de décryptage de l'information. Il s'agit en fait de développer l'esprit critique de nos jeunes face à la presse et face aux informations dans lesquelles ils vivent au quotidien. Dans ce projet, le projet objet de la présente convention met en œuvre la proposition du parcours YouTube et vidéo scientifique selon les modalités suivantes. Nom de l'action, parcours YouTube et vidéo scientifique. Descriptif de l'action, c'est une série de 3 séances auprès d'un public d'adolescents accompagné d'intervenants professionnels pour découvrir le métier de vidéaste scientifique. De développer chez ce public dans le sens critique face à l'image et créer une vidéo type YouTube, puis d'en présenter le résultat lors d'une restitution. Les intervenants prévus sont donc l'association J'ouvre l'œil, Tania Louis, vidéaste scientifique, Audrey Ginisti, vidéaste scientifique, Florent Boisseau, vidéaste scientifique. Les séances auront lieu dans le team 17 et 24 novembre pour les 3 premières séances donc de travail dans le but de créer cette vidéo et la restitution aura lieu le 27 novembre. Donc ce sont des séances de 2 heures donc, qui auront lieu à la médiathèque donc, pour le groupe d'accueil de loisirs, de l'adolescent, donc du pôle jeunesse, ce que je vous disais tout à l'heure. Les vidéos créées sont protégées par le droit de la propriété individuelle. L'association J'ouvre l'œil et les intervenants s'engagent à respecter ce droit et à obtenir toutes les autorisations nécessaires pour la création, la reproduction et la diffusion de ces vidéos, ainsi que le droit à l'image des objets des personnes filmées. Ils garantissent à Toulouse Métropole et à la commune de Fenouillet contre tout recours ou action qui intenterait à quelconque titre toute personne ayant participé directement ou indirectement à la réalisation et à la diffusion des vidéos. Entendu cet exposé et après avoir délibéré, donc je demande donc d'autoriser le secrétaire à signer cette convention. Donc, qui s'abstient.
service qui est sous maîtrise de Toulouse Métropole et qui vient en aide aux communes qui ont un projet sur un projet particulier qui peut être sur un foncier nu ou un immeuble, un bâti, un foncier bâti, mais qui n'a pas les capacités financières d'acquérir ce foncier au moment où il est mis à la vente. Alors, la commune de Fenouillet a déjà utilisé ce principe hein, d'aide par l'état de PFM. On a du patrimoine qui est en ce moment porté par le PFL, mais pour lequel on participe aux frais de portage. Donc chaque année, on fait le PFL, les frais de portage sur le bâti que la commune a souhaité acquérir, mais pas forcément dans l'immédiat. Alors, deux exemples très concrets que vous connaissez tous, sans doute, peut-être pas, mais vous allez découvrir. Il s'agit par exemple de la maison qui est située à côté de la pharmacie, là, la grande maison que vous êtes au volet marron, là, juste en face de la place de la mairie. Donc ça, c'est quelque chose qui est porté par le PFL, parce qu'au moment de la vente, la municipalité avait un projet en vue, donc n'a pas pu se réaliser, au jour d'aujourd'hui. Mais voilà, donc c'est toujours porté par le PFL. Alors, de mémoire, cette maison-là avait été achetée à le PFL, par le PFL, 350 000 €. Et dernièrement, quand j'ai échangé avec le responsable de l'OPFL de Toulouse Métropole, je lui ai demandé combien ça vaudrait si la commune avait son projet sortait et qu'on souhaitait récupérer cette propriété-là. Alors il a fait un calcul rapide par rapport aux frais de portage que la commune a déjà supportés. On rachèterait cette maison-là 300 000 €, c'est-à-dire 50 000 € moins cher que ça va lui au moment des achats. Bon, ça c'est un exemple. C'est pas dire qu'on a des projets là-dessus pour l'instant, mais c'est pour vous donner une information par rapport à ça. Et deuxième chose qui est visible, qui est portée aussi par le PFL, c'était un souhait de l'ancienne municipalité, c'était l'acquisition de la ruine, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement. La ruine qui se trouve en face, à peu près en face du garage Citroën. On a un terrain là, avec une maison qui a été plus ou moins démolie pour être réaménagée et je pense que ça a été abandonné. Bon. L'ancienne municipalité avait fait le choix d'acheter cette partie-là. Bon. Je ne remets pas en cause le choix, moi j'avais simplement posé la question à l'époque. Pourquoi acheter ça, quel intérêt ça avait, pour quel projet. Je m'avais répondu à l'époque que c'était pour faire une entrée de ville. Alors, bon, je ne vois pas comment on peut faire une entrée de ville dans un terrain complètement enclavé et complètement excentré de la route principale. Mais bon, c'était la réponse qui m'avait été faite. Donc moi, je ne suis pas sûr qu'on ait un projet là-dessus. Je ne sais pas ce qu'on en fera. Mais toujours est-il que la commune paie des frais de portage par rapport à ça. Et donc, ça avait été acheté à l'époque 170 000 €. C'est quand même une ruine. Alors, le matériel de terrain, je ne sais pas si je vais pouvoir te répondre. Non, il n'y a pas les matériels. Ah, d'accord. Non. C'est au 46 route de la Compassion, mais on n'a pas mis les mètres carrés, 170 000 €, et l'eau, 350 000 €. Alors, et après, il y a d'autres endroits où la commune avait souhaité un portage par le PFL. Alors, sur le plan pluriannuel de 2017-2021, parce que le bâtiment qui se termine, hein, c'est pour ça que j'ai des informations, parce qu'il va falloir le renouveler. Il y avait au titre de Toulouse Métropole l'acquisition en attente d'affectation du secteur de la Courte-en-Sourde autour des gares pour l'arrivée de la
Ça, c'est marqué que le jour où il y aura une vente de ces parcelles-là, il faudra que le FL en fasse l'acquisition. Mais pour l'instant, ces parcelles-là sont pas vendues, mais c'est en prévision. En réalité, moi, je vais vous le dire après, ça se situe, ces parcelles-là se situent derrière le terrain synthétique, c'est-à-dire entre le terrain synthétique et le bocage. C'est toute la zone des anciennes gravières qui avait été embellie avec tout et n'importe quoi, il y a ouvert de la végétation pour l'instant. Donc l'ancienne municipalité avait souhaité marquer ce territoire-là. Il y avait aussi des parcelles au niveau du bocage. Au niveau, alors je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle la maison Adèle. La maison Adèle au bocage, c'est une vieille bâtisse qui est complètement murée pour l'instant, qui appartient à la commune, qui est située juste derrière la maison de l'horticulteur. Vous voyez à peu près où ça se situe. Donc la maison appartient déjà à la commune, mais l'ancienne municipalité avait souhaité mettre la main sur les terrains qui sont autour pour un projet sans doute d'aménagement du site du bocage. Donc, et il y avait aussi la parcelle A12. Alors A12, c'est la parcelle qui concerne la maison du traiteur, l'ancien traiteur du bocage. Vous voyez, un peu plus loin. Où il y a tout autour des ruines, parce qu'il y avait visiblement un projet d'urbanisation à ce moment-là, qui n'a pas abouti. Et ensuite, il y avait l'ancien site de Sauferty. Et là, la commune demandait qu'il y ait une possibilité de transfert. Au lieu que ce soit la commune qui porte ce site-là, mais que ce soit plutôt Toulouse Métropole. Et là, franchement, c'était une bonne initiative. D'ailleurs, on va le reprendre dans les projets du prochain contrat. Parce que c'est un site d'une zone d'activité économique. Et l'activité économique, c'est de la compétence de Toulouse Métropole. Donc il n'y a pas de raison que ce soit la commune qui porte ce foncier-là. Et ensuite, il y avait un dernier point qui avait été retenu par l'ancienne municipalité, c'était le volet équipement public sur la parcelle BB038 du château de la Tournelle. Vous voyez la grande bâtisse qui est en dessous du pont, là, grande bâtisse en ville, c'est ce qu'on appelle le château de la Tournelle, qui est une propriété privée. Et donc la commune avait souhaité que le jour où ce bâtiment-là, en réalité, non, elle avait mis cette option-là, parce que si vous vous rappelez bien, il y avait eu un appel à projet sur, qui s'appelait Dessiner Toulouse, je crois, Dessine-moi Toulouse, pour faire un projet culturel à cet endroit-là. Finalement, le projet culturel n'a pas été retenu par Toulouse Métropole, et du coup, il n'y a plus de raison de mettre une option là-dessus. Donc voilà, les informations que je voulais vous donner par rapport à ce qu'avait prévu l'ancienne municipalité. Et nous, ce qu'on souhaite bien évidemment continuer cette possibilité-là de portage par le PFL, elles sont soit modifiées pour le plan 2022. Ouais, voilà. On souhaite retirer donc, toutes les parcelles qui concernent Piquefer, enfin ce qu'on appelle Piquefer, en réalité c'est pas Piquefer, mais toutes les parcelles dont je vous disais qui sont entre le terrain synthétique et le bocage, parce que de toute façon c'est pas une zone constructible au-delà de l'habitat, donc il n'y aura aucune possibilité dans l'avenir d'agrandir le périmètre de la zone Piquefer. C'est une zone au PLU qui est réservée pour des équipements de loisirs ou sportifs. Ensuite, je souhaiterais qu'on retire la rue Céveso, là, puisque, enfin la rue Céveso, c'est-à-dire le château de la Tournelle, puisqu'il n'y a plus de
on souhaite inscrire la parcelle BH59, qui est à environ de 14 000 m2. C'est la parcelle qui est située au bout de la résidence de la rue d'Aquitaine, c'est-à-dire la résidence qui est derrière le terrain de foot, là, vous voyez, qui est un peu sur, avec des garages en dessous. Là. Il y a toute la pointe, là, où c'est resté un terrain nu. Jusqu'à maintenant, ce terrain-là était en emplacement réservé au PLU pour faire un bassin de rétention. Parce qu'à l'époque, les services de Toulouse avaient considéré que le réseau pluvial n'était pas suffisamment important pour capter toutes les eaux pluviales des résidences et des lotissements qui sont autour. Entre-temps, il y a eu des travaux d'aménagement par Veolia, oui c'est Veolia qui s'occupe de Veolia. Maintenant c'est même pas Veolia, enfin si c'est Veolia, mais ça s'appelle Eau de Toulouse. Donc ils ont renforcé les réseaux et il n'y aurait plus besoin de ce bassin d'attention. Donc pour ne pas que laisser échapper ce terrain-là, qui est toujours, qui appartient toujours à l'inventeur et qui est géré par Loftone Foncia, qui les deux ont fusionné, pour pas que ça parte n'importe comment la construction qu'on ne va pas maîtriser parce qu'ils vont être en accord avec le PLU, on ne pourra pas s'y opposer. Le jour où ce terrain-là était mis à la vente, mettre la main dessus en le faisant porter par le PFL. Ensuite, ce que je souhaitais qu'on ajoute, sur la rue Jean Jaurès, 93 rue Jean Jaurès, parcelle VK135, donc il y a 490 m2, mais c'est quand même en prévision. Vous avez sans doute remarqué depuis longtemps qu'à l'intersection de la rue des Gourdes et de la rue de l'Église, justement, vous voyez hein, où ça se situe, c'est l'endroit le plus étroit de la rue de l'Église et le plus dangereux puisqu'il n'y a aucune visibilité, on est dans la cour. Et moi, personnellement, mais je ne dois pas être le seul, je n'ai jamais compris pourquoi. Quand cette vieille bâtisse, qui était quasiment en ruine, a été vendue pour une réhabilitation, j'ai jamais compris pourquoi on n'avait pas peur. Enfin, quand je dis on, la commune, hein, ça a été fait même bien avant l'ancienne municipalité. Hein, c'est pas, peut-être qu'on aurait fait la même erreur. Mais c'est quand même dommage, parce que si on veut aménager correctement la rue de l'église, là c'est un point vraiment très très critique. Hein. C'est très étroit, on n'a pas la place à agrandir les trottoirs, et pourtant il va falloir le faire, se mettre aux normes, encore moins parler de pistes cyclables, alors que si à cet endroit-là, au moment de la vente, la commune avait préempté, on démolissait cette ruine, et on pouvait faire un grand carrefour avec plus de sécurité et de visibilité. Donc, la maison, elle est là, elle ne sera peut-être jamais vendue, mais si jamais le jour où elle sera vendue, c'est pour ça que j'ai voulu l'inscrire, on pourra éventuellement la faire porter par le TSL pour envisager un projet d'aménagement à ce niveau-là. Et ensuite, donc l'ancien site se pertit, ben je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de raison que ce soit la commune qui porte ça, c'est dans le cadre de la compétence de Toulouse Métropole au niveau de des zones d'activité économique. Moi, je demanderai le transfert du portage à Toulouse Métropole. Et donc voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous donner comme information. Voilà, c'est vraiment une information comme ça à bâton rompu, puisqu'il n'y a aucune obligation à délibérer. C'est pour ça que ce n'est pas une délibération.
besoin d'un prêt là. Ah oui. Et donc, du coup, là, donc nous, on paye des frais de portage. Comme si on payait des frais et, de portage. Et ça, on va le garder, ça. Parce qu'on n'a pas de projet dessus. Là, alors, pour l'instant, on n'a pas de projet dessus. On n'a pas non plus réfléchi, hein, très honnêtement, nous, avec les municipales. On n'a pas du tout réfléchi à ce qui pourrait être fait à cet endroit-là. Ça me paraît compliqué d'y faire quelque chose parce que on est en zone inondable à Léafort. Donc ça veut dire qu'on pourra faire de toute façon, n'importe lequel qui achètera cet endroit-là ne pourra faire qu'une construction avec un logement. Donc pour la commune, c'est hors de question. On ne va pas garder ça pour faire une maison, on n'a pas d'intérêt à une maison avec un logement. Si on décide d'y faire autre chose, on pourra y faire qu'un équipement public. Alors un équipement public là-bas à l'entrée de ville, excentré du centre-ville, avec des accès qui sont quand même assez moyens hein, sur la route de la Constanceau, je vois pas trop l'intérêt. Mais encore une fois, on n'en a pas du tout parlé dans l'équipe. Je n'ai pas d'idée pour l'instant là-dessus. Si vous en avez, vous soyez bienvenus, il n'y a pas de problème. Voilà, donc si on considère qu'on ne pourra rien en faire, on demandera à le PFL de revendre, sachant qu'on n'aura pas de risque d'avoir un promoteur, parce que je vous dis, on pourra faire de toute façon qu'une maison, enfin une construction avec un logement. Donc c'est clair, on est en zone inondable à l'air fort, donc il n'y a pas de possibilité. Donc là, si le PFL revend, nous on perd juste les droits de portage qu'on a appris. Ah ouais. Si le PFL revend, oui, on aura perdu les frais de portage.